Benediciamo il nome del Padre, que soit béni le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni al capo 14. De l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Parole du Seigneur. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, dit Jésus avant sa passion. Aujourd'hui, comme aux disciples, nous nous souvenons de ces paroles qui, après Pâques, sont devenues plus précieuses pour nous. Elles illuminent des moments avec tant de bouleversements, de préoccupations, d'incertitudes, avec lesquelles on regarde vers l'avenir. Facile d'être bouleversé. La peur nous gagne à l'improviste, comme lorsque nous nous trouvons devant une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Les bouleversements désorientent parce qu'ils font que l'on se sent fragile. Nous avons peur de voir combien nous sommes vulnérables au mal. Mais Jésus invite à ne pas être bouleversé et il parle de lui. Il dit, « Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi. » Jésus parle de l'avenir à ses disciples. Il regarde vers l'avant et il explique aux siens le sens de sa vie, préparer une place pour les autres. Jésus ne pense pas à un destin séparé de ses amis, car au fond, il nous veut unis à lui. Dans la maison du Père, dit-il, il y a de nombreuses demeures. Et en fait, avoir une maison, c'est un endroit où vivre, et c'est ce que nous cherchons et que beaucoup de personnes cherchent dans ce monde. Et en cette période, nous avons comme redécouvert l'espace de notre maison, comme un lieu où l'on ne doit pas s'isoler, mais duquel nous pouvons regarder le monde comme une maison commune, une maison avec de nombreuses demeures, comme dit Jésus, où il y a une place pour tout le monde. Maison signifie sécurité, protection, se sentir aimé, connu, attendu. Et l'Évangile nous aide à penser comment être nous-mêmes une maison pour ceux qui n'en ont pas. En cette période, ces jours nous ont aidés à nous rappeler de tout le monde. Des enfants qui ont faim d'avenir et qui veulent grandir, aux personnes âgées qui ont le droit de vivre dans leur propre maison et non enfermées dans des instituts. Trop souvent, ce monde dit à ceux qui sont pauvres, « Pour toi, il n'y a pas de place. » C'est la bêtise d'une société qui élève des murs, qui ne protège pas, mais au contraire qui isole et rend plus fragile le monde dans lequel nous vivons. Parce que les murs empêchent de regarder vers l'avenir. Et nous pensons aujourd'hui encore à tous ceux qui attendent dans des camps de réfugiés à Lesbos, en Libye, au Mexique, mais aussi à tous les étrangers qui vivent en Italie, parfois exploités, et qui sont en attente d'une régularisation de leur séjour. Jésus offre sa vie sur la croix pour préparer une place pour tout le monde et pour nous apprendre à nous aussi à préparer une place pour les autres. Et c'est peut-être cela, la mission qui est la nôtre après Pâques. Pourtant, Thomas demande « Comment
Pourrions-nous savoir le chemin? C'est une question importante qui nous interroge chacun sur l'avenir. Quel chemin pourrions-nous parcourir? Nous nous posons la question à un moment où, dans tant d'endroits, on commence à ressortir de chez soi. Vous connaissez le chemin, dit Jésus, et il nous invite à le suivre. Le chemin, c'est lui. À tous, Jésus rappelle « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Que veut-il dire? Jésus est un chemin d'amour qui nous conduit vers les autres et nous approche du Père. Il est un chemin parce qu'il ne s'arrête jamais de marcher dans les rues et cherche aussi en nous des jambes, des bras, des mains, des cœurs pour aller plus loin et arriver à rencontrer tout le monde. Il nous demande de savoir être un chemin pour ceux qui cherchent un sens à leur vie. Jésus est la vérité parce qu'il est parole de Dieu, qui ne condamne pas ou ne juge pas, mais qui se fait proche des pauvres et qui révèle toujours la vérité de la vie, c'est-à-dire que l'on est plus heureux en donnant qu'en recevant. Et enfin, Jésus est la vie, parce qu'il a vaincu la mort et toute expression de la mort dans ce monde, la guerre, la violence, la maladie, et il nous demande de vivre pour continuer à lutter chaque jour contre la mort et ses œuvres, en utilisant notre vie pour soigner, consoler, soutenir et aider. En regardant vers l'avenir, Jésus nous aide à voir le présent, sans être bouleversé, mais avec espérance. Et le Seigneur nous donne dès à présent de pouvoir construire avec lui cette maison avec de nombreuses demeures dans lesquelles tout le monde pourra trouver une place. Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la paix de cette ville, de toutes les villes, pour que vienne la miséricorde de Dieu et que vienne le temps de la justice, prions le Seigneur. Pour ceux qui, en ces moments, viennent au secours et porte des fruits de bien aux pauvres, aux personnes âgées, aux malades, pour tous ceux qui se confient à notre prière, prions le Seigneur. Nous prions encore pour la guérison des malades, pour toutes les personnes âgées, pour ceux qui sont seuls, pour que vienne concéder à tous guérison et salut. Prions le Seigneur. Prions pour les étrangers, pour ceux qui sont loin de chez eux, pour les réfugiés, pour ceux qui sont en exil, pour ceux qui sont retenus en otage, pour qu'ils puissent rentrer chez eux, prions le Seigneur. Pour tout cœur éprouvé et abattu, pour tous ceux qui ont besoin de paix, prions le Seigneur. Pour la paix de nous tous, de tous nos frères et sœurs,
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui sur la croix as sauvé le monde, nous te confessons comme l'ami et le libérateur des hommes. Malgré notre misère et notre péché, nous ne te trahirons pas. Comme le bon larron, souviens-toi de nous dans ton royaume, Seigneur. Ne regarde pas notre indignité. Nous étions absents, éloignés, épouvantés, quand tu fus crucifié et abandonné sans consolation. Enseigne-nous par ton amour éloquent à te suivre toujours et porter avec toi la croix de ton salut. Nous t'en prions par le Père, l'Esprit Saint qui est amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur Tout-Puissant, Père du Seigneur Jésus, ressuscité, bénis tes serviteurs, protège-nous et soutiens-nous, rends-nous heureux par ta présence, protège-nous, apprends-nous à observer ta parole et à marcher sur ton chemin et à te reconnaître lorsque nous te rencontrons pauvres, faibles et prisonniers. Donne-nous la paix sereine
par ton esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cristo è risorto. Christ est ressuscité. Vraiment, il est ressuscité.